C'est pas dit non. Hein? Il y a un Nolo là. Je me suis transformé pour aller à Abidjan. C'est quoi bon? Je me suis transformé toujours en quoi bon? Le pot là. Et elle dormait? J'ai mis un pouvoir en elle. De telle sorte que quand elle est avec quelqu'un, il y a toujours des histoires et puis bon, ça se gâte quoi. C'est comme ça que pour elle, ça se passe. Donc elle va changer d'homme, passer d'homme en homme. J'ai gâté aussi ma petite soeur Angélico. Elle est où? Ma grande soeur Angélico. Il y a un tas de roues là. C'est mon oncle Asséné qui m'a envoyé pour aller prendre son intelligence pour l'envoyer. C'est de quoi ça? C'est la vérité. Je me suis transformé en corbeau pour aller à Abidjan. En ce temps, elle est là à l'école. Elle est allée à l'école, oui. Et quand elle est venue au village, quand elle dormait, je me suis arrêté devant elle. Et j'ai extrait son intelligence. Et puis j'ai remis à ses mains. J'ai dit, il ne faut pas qu'elle réussisse dans la vie. C'est ce que j'ai dit. J'ai pris aussi sa fécondité pour remettre à ma grand-mère. Explique l'aspect prendre. Comment tu prends fécondité? Cette science, on a besoin de comprendre ça. C'est une science aussi. Elle était couchée sur le dos. Comme ça. Elle était couchée sur le dos. Comme ça, c'est ça? Oui. Quand je suis arrivé, tu ne couches pas avec elle? Non. Ok. Quand je suis arrivé sur elle, j'ai tout simplement retiré, puis j'ai remis. Tu as touché son ventre? Un clavard ou pas? Et puis tu as dit quoi? J'ai touché son ventre. J'ai dit, je prends ta fécondité pour que tu n'enfantes plus. Et je suis allé remettre à ma grand-mère. Ah, la grande mère sorcière, c'est ça? Qui avait la fin tout à l'heure. C'est Et mon oncle Asséné m'a également demandé de la livrer. Oui. Mon oncle Asséné a demandé de la livrer. Donc on l'a programmé dans un accident en masse. Vous l'avez attaché? On ne l'a pas attaché, mais on l'a programmé. Mais non, quand on programme ce qu'on a attaché. Oloba, encore il y en a bas. Mais dans quoi le contrat, il y en a battu bien dans les uns. Oui, on a attaché. Je connais le cheminement de la sorcellerie. Bientôt, peut-être dans 4 mois, 5 mois, vous aurez un livre. Tu vas sortir sur le marché. On est qu'un livre, mais c'est là qui est mon. On est un peu les pratiques, comment ils font, tout ça. J'ai un enseignement, je vais vous donner comment même tuer un sorcier. On est à Épale, on a un. Amen. Je viens. Je suis en train de faire les démons, les autres, j'ai touché cet aspect-là. Le combat spirituel, puis je parle. Comment? Vous avez vu que c'est la parole. Il prend la parole, il touche, il prend la chose. Vous allez voir que votre parole. La Bible dit dans Proverbe, la vie et la mort sont au bout de nos lèvres. Je vais vous enseigner ça. Bible, il est ceux-là pour les éliminer, c'est facile. C'est très facile. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans Exode 22, 17, tu ne laisseras pas vivre une personne qui pratique la sorcellerie. Bible, mais il y a un abat. Comme mon nom, Goukamewe. Mais quand tu vois un sorcier qui t'attaque, tu sais que c'est lui le sorcier. J'ai une prière. Voilà. On n'a pas de prendre les sorciers et les attaquer dans le village. Tu l'as vu. Tu sais que c'est telle personne. Pour l'éliminer, c'est facile. Amen. Gilinaweli. Okamo wasile la go gilinaweli.
Gilina Welio, Okamo Wasili, la bonne Gilina Welio, Gilina Welio, Gilina Welio. Les sorciers, c'est des terroristes. Ils aiment emmerder, ils aiment déranger les gens. Parle. Bah, ils aiment tout. Du nouveau. Il reste dans la voie. 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 Gilina Welio, Okamo Wasili, la go Gilina Welio, Gilina Welio, yeah. Gilina Welio, Okamo Wasili, la go Gilina Welio, Gilina Welio, yeah. Gilina Welio, yeah. Gilina Welio, Okamo Wasili, la go Gilina Welio, Gilina Welio, yeah. Va-t'en.
Lilo. Va-t'en. Va-t'en au nom de Jésus. Voilà, va-t'en. Va-t'en. Je chasse au nom de Jésus. Je délie son âme maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. La restitution se fait maintenant. L'intelligence revient maintenant. Sa fécondité et son mariage dans le nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu se manifeste maintenant dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je te déclare délivré, libéré dans le nom de Jésus-Christ. Je t'établis aujourd'hui même à 7h. Dans la fécondité, dans ta fécondité, dans ta bénédiction, au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment ça s'appelle? Comment elle s'appelle? Angéline. Ça va? Lève-toi. On priait pour toi, qu'est-ce que tu as vu? Il y a Bibi, mon gars, il est là. Peu importe, mais c'est quand il est là. Je sens que je suis devenu légère. Mm-hmm. La senti qu'il était légère, c'est ça? Mais il y a un là. J'ai senti aussi cette main s'ascension sur le cœur également. Le cœur. Dans ma tête aussi, la même sensation de légèreté. Tu sens que tu n'es plus lourd, c'est ça? Il n'est pas quoi, Walwa? Tu sens que tu es libéré, c'est ça? Est-ce que nous pouvons acclamer la puissance de Jésus? Viens d'être délivré dans le nom de Jésus. Ça ne vient pas d'un homme, c'est la puissance de Dieu. Personne ne pourra maintenant t'arrêter. Toi au moins. Tu as entendu le sorcier parler. D'autres n'ont pas eu cette grâce. Sans rancune. Faut pas le voir. Puis chercher à le guetter dans un couloir, prendre un gourdin, puis. Dieu a déjà fait ton palabre. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il a déjà fait. Ça, c'est ça, vous ne dormez pas, hein? Là, vous bien, gars. On a battu dans le cadre de ce moment, non? Il y a plus sommeil. Il a grabé moi. Bien. Je vais bénir. Maintenant, il faut marcher avec Jésus. Là, on a grabé quoi? C'est normal. On a grabé véritablement. Parce qu'il vient de très loin. Mais c'est un gros pur saumon. Bête. Sorcier, t'as loupé. Vous calmez Dieu. Oh, l'offre. Garde la gomme. Pas. Ça c'est un miracle, c'est ce qu'on appelle un miracle. Du coup, je disais le même. C'est suspendu quelque part. Oh, vous êtes d'aller, mémé. Mais t'as d'aller. Pour te briser. C'est Wakato, Jésus. Le lagon. Oh, la gloire lui revient. Oh, leur pont. Pour ça, pour le gagner, il faut marcher à lui. Moi, qui ai crabé, pas fait clopin, clopin. N'amenez pas. Là-bas, qui a mon crabé. Que toi et Jésus, là, vous êtes ensemble. Il en bas. Marcher avec lui. C'est sérieux. Bonne chrétienne maintenant. C'est quoi bien le béni? Amen. Sois béni. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ?
Eh, on prend ton nom, Laurent Suivi. Et du quoi? Yao Sebu. On prend ton nom, Laurent Suivi. On va te suivre parce que Laurent Suivi. Viens donner tout ton nom. Qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'elle te siffle ça à l'oreille. Qu'elle te siffle à l'oreille. Qu'elle te siffle ça à l'oreille. Yao Sebu, à Bien, chacun a son tour. On est bien, on est voilà. Voilà. Dis à quelqu'un, chacun son tour, dis à quelqu'un. Chacun son tour. Elle vient d'où? Yo, voilà la loyer là. Elle est à Fresco. Elle est en route. C'est sa maman, sa mère de Fresco. Elle est arrivée, elle a iré. Ah, ok. Donc demain, c'est ça? Ah, aujourd'hui plutôt. Ok, on aura l'occasion de prier pour elle. Est-ce que c'est ça? Les victimes, on doit les délivrer. Je ne suis pas en train de dire non, j'ai détruit Annick. Mais Annick doit être là. Comment elle s'appelle? Annick doit être là et nous allons procéder à sa délivrance. Fais sa délivrance, ça c'est important. Amen. Qui d'autre? Qu'est-ce que tu as gâté chez Annick? Alors, il était Annick et Pierre là. Ses études. Toi-même, tu veux pas qu'il y ait un cadre? C'est bête, hein? Comme si tu es intelligent, tu es à papier, c'est mauvais. Quoi? Au cas de Géhi, n'est-ce pas? Hein? Non, il y en a. J'aime bien qu'il y ait de la réussite, mais c'est la sorcellerie qui me fatigue. Voilà, c'est vrai. Et puis, sorcellerie, là, tu n'as jamais cherché un homme de Dieu pour te délivrer. Ne battez la gonco. C'est encore du jour. C'est un goût bouillé, n'est-ce pas? On dit que nous sommes là, nous sommes là, nous allons, tu as gâté qui encore? Alors, tant que nous là. C'est la dernière personne. Tu as fait quoi encore dans le village? D'où encore y là? Mon oncle Asséné m'a envoyé pour détruire l'école des Arocons. Notre école, à vous a fait quoi? On a l'école de Yonou, on y est là. C'est vrai, c'est une cible, chaque fois. On a l'école chaque de fois, Yonou. C'est l'école là. Chaque fois, c'est l'école vous touchez. Comme l'école forme le cadre. Il y en a l'école, on met quoi cadre. Où l'on est? Mais quoi tout, oui. Que tu nous expliques un peu son nom. Oh non, ici ça, on appelle. C'est toi qui l'as envoyé aller gâter. Mon le one homme, n'est pas à l'école de Roué. Hein? Bah, c'est à nous. Oui, c'est moi qui l'ai envoyé. Et pourquoi? Yobola. Yobola, l'homme, les soldats, Doubaou là. Tu as dit que tu allais parler. Non, n'est pas bas. Non, c'est bien mou. Où ça n'est pas bas, mais elle est comme. J'ai constaté que à l'école là-bas, il y avait de brillants élèves et il y avait aussi de mauvais élèves. Oui, c'est venu. Non. Tu n'as rien expliqué. Dans une école, il y a des brillants et des mauvais élèves comme ça. Dans une école. Pourquoi tu vas gâter? L'école. Elle m'a dormi à tout bruit. Elle a dormi déjà. Elle a la santé.
J'ai constaté qu'il y a beaucoup d'échecs à l'école avant. Et comme je savais que beaucoup allaient te renvoyer, donc j'ai préféré garder tout à même. Ça, c'est quelle raison? Non, c'est pas la vraie raison. Oh là, mais même, bon, il n'est pas guitare. Au contraire. Ah, il dit qu'il y aura beaucoup, il aurait eu beaucoup d'admis. Et comme il ne voulait pas qu'il y ait beaucoup d'admis, c'est pour ça qu'il a gâté. Ça dit, il a dit ça, mais...